bonjour à toutes et à tous, c'est bienvenue dans ce nouvel épisode de Siberia 3. On continue notre aventure à la demande de notre chat, car nous sommes toujours en live. N'hésitez pas à passer sur Twitch si vous voulez en profiter en live. On est en train d'essayer de chercher un tampon pour notre laisser passer. Est-ce que il pourrait nous aider lui? Pas vraiment. Ah, peut-être le. On pouvait interagir avec l'artisan tout à l'heure. Plop, ok. Faut le faire à la façon Yukol, Zikino. Plop, ok. Touk, touk. Karout? Je suis sûr, lui, il peut nous faire quelque chose. Bien Yukol avant. Quand Yukol pas resté trop longtemps à Varsambor. Fais-nous un petit laissez-passer, mec. Tu saurais faire ça? Non. Zut. En même temps, il y a le gros flic derrière, là. Eh, hey, gros tas. Circuler. Ton repas arrive grâce à internet, Kenton. Parfait, touk touk. Tu veux vraiment pas m'aider, toi? Client touriste, mais bien Yukol avant. Quand Yukol pas resté trop longtemps à Varsambor. On va retourner voir la chamane, elle va peut-être nous aider. Ou alors il faut peut-être qu'on aille voir le à quoi ressemble le seau et qu'après on vienne, hein, tout simplement. Drôle d'odeur. Miss Catwalker faire grand voyage avec Yukol. Allez hop, et une petite lampée par-dessus. Ça c'est fait. Ok, on va essayer de sortir. Aller voir un peu, soit on peut le réparer, soit on pourra peut-être trouver un moyen de le simuler. Alors c'est pas... est-ce qu'on peut sortir déjà? C'est par ici, non? Yes, c'est par ici. Ça se passait mieux avec les Yukol avant, ça c'est sûr. Je suis sûr que ce nabo préparait un sale coup. Ah la vache quoi. Pas croyable les gens, pas croyable. Alors, voyons voir un peu de quoi ça la parle. La clinique. J'espère que Kirk tient bon là-haut. C'est vrai que ça fait un sacré bâtiment. Alors là, on a une chariote. Qu'est-ce qu'il fait lui? Toile avec cabane pour éviter amende. Ah, parce qu'ils ont dessiné dessus donc. Sans doute celle des employés municipaux. Ah oui, ils ont dessiné fuck la police sur la cabane du coup. Stop. Ça passe pas. On ne passe pas. Et pourquoi donc, je vous prie? Mademoiselle, la divagation intempestive des nomades Yukol dans la ville s'étant avérée être un élément perturbateur de l'inquiétude de ses concitoyens. Le maire Bouyakin a ordonné que l'accès à Valsambor ne serait désormais autorisé que sur présentation d'un laissez-passer dûment tamponné. Oh la vache. Mais de quelles perturbations de l'ordre public peuvent bien être accusés les Yukol? Dégradation des infrastructures publiques, chapardage, vol à l'étalage, mendicité, toute la panoplie délictueuse de ce genre d'individus. Et vous avez des preuves formelles contre eux? Sans laisser passer, on ne passe pas. Ah, il a aussi le logo Poulpe là. Alors, je peux essayer de montrer mon laisser passer pas tamponné, mais j'y crois pas trop. Alors? Ce laissez-passer n'est pas conforme. Il n'est pas tamponné avec le cachet de la ville de Valsambor. Il avait 10 sur 10 en poésie, ouais, c'est clair. Indispensable. Ah, le alors mec. N'insistez pas. On peut pas lui dire, mais comment on fait pour le tamponner si on n'a pas... Non, non, on peut pas. Bon, bah, on peut une pas. Guérite. Sans doute celle des employés municipaux. Bah va te faire foutre du coup. Merde, j'ai cliqué dessus. Ce laissez-passer est vraiment nécessaire? Indispensable. Alors n'insistez pas. Circulez. Zout, c'est pas ce que je voulais faire. Je sais pas comment j'ai fait pour lui cliquer dessus, mais c'est une erreur. Ça, c'est... Ah, il y a un autre truc. Ah non, c'est le mec derrière. Ah, mais on peut passer là. Toile avec cabane pour éviter amende. Maintenant, on peut rentrer là. Alors, voyons voir. Ah, c'est... Je le vois vraiment très poète, ouais. Vu les conditions de vie ici... Je comprends mieux l'amabilité du policier.
Oh, regardez-moi ça, une tamponneuse. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas très très bien achalandés, les mecs. Hein. Ils ont un pauvre poêle de lits superposés. Mais aucun avec la bonne forme, évidemment. Ah non, mais on va pouvoir demander au mec de nous faire des tampons, c'est obligé. T'as pas le tampon du notaire de Valadilène sur toi ? Incomplète, on dirait. Alors, à quoi ça ressemble ? Une forme est incrustée dans le cuir. Une éponge. Ok. Ah, du coup, on peut embarquer ça pour avoir la forme. Très bien. Il manque le tampon. Pratique. On pourra sûrement placer le tampon là. Ok, il fait plouf. Ensuite, on enlève ça. On baisse le machin et ça tamponne. Bon. On a la forme du tampon et il nous faut genre de l'encre ou un truc du style. Rien d'utile ici. Probablement la cire. On progresse. Des takoyaki. C'est ce que tu manges, Canton ? Je ne connais pas. Il y avait moyen de partir par ici aussi. On va quand même aller jeter un œil au cas où. On apprenne des choses. Baïrtla, Miss Catwalk. Tuk tuk tsugar. Ok. T'es enthousiaste, moi, c'est bien. Grande triche ont besoin d'attention. Beaucoup, beaucoup. T'en veux pas, toi? Konokmak. Ah, ok. Alors, ici, il y a un truc. Là-bas aussi. Marianne, et moi ça, un petit poulpe. Un calamar gisant dans une flaque d'encre. Pauvre bête. Si on prenait notre éponge et qu'on récupérait de l'encre. Ça te dit des boulettes d'encre de poulpe, Canton ? Je suis absolument pas fruit de mer, donc du coup... m'étonne pas que je comprends pas, malheureusement. Désolé. Voici donc ce fameux lac qui ne gèle plus. Ouais, c'est pas très très goûtu l'encre de poulpe, hein, on est d'accord. Mais donc ça veut dire qu'il y a bien des petits calamars dans le lac, donc il y a peut-être des grands calamars au fond du lac aussi. Ça reste pertinent. Ça? Ah non, c'est pour la caresser encore. Mais il y a moyen d'interagir, donc je pourrais peut-être lui donner à bouffer ou un truc du style. C'est pour compléter les sashimi de vendredi midi. Ah, t'es très poisson et fruits de mer du coup, toi par contre. Je constate. Alors, petit artisan. Wow, ça manque un peu de précision des fois sur où est-ce qu'on peut aller. C'est où je vais laisser là, voilà. Toi, est-ce que je peux te montrer ce truc là? Non? Ah merde. J'avoue être un petit peu déceptionné là. Quand Yukor pas resté trop longtemps à Varsambor. Ce soir, c'est charcuterie et Mondor. Ah oui. C'est plus le même style. Je te l'accorde. Ok.
On va aller vous montrer à la chamane, elle va peut-être donner l'ordre à son gars de bouger le cul. Nous c'est raclette ce soir, tu vois, on est dans le même thème. C'est vrai qu'un petit mont d'or, ça se laisse manger quand même. Alors est-ce que je vais pouvoir cliquer sur elle? Ouais, voilà. Tu veux pas. Ah. La raclette est prévue dimanche, donc ouais, tu fais charcuterie mont d'or, pure raclette quoi. Chouette d'ayahuasca, l'air aussi borné que d'habitude. Je vois. Une peau. Sans doute pour confectionner des vêtements. Est-ce qu'on pourrait réutiliser cette peau avec notre pièce de tamponneuse? Non, on peut pas interagir avec. Je suis preneur des idées là, si vous avez des idées. Attends, je vais regarder si on trouverait pas quelque chose d'intéressant dans l'ouvrage. Quelque chose de neuf, parce que globalement... c'est les mêmes dessins que dans le 1. Ok. Mettre l'éponge d'encre sur la grande statue de poulpe. Mercredi fondu au restaurant. Ah oui, d'accord. C'est. Comme dit, ouais, Denaro, il a raison. Le poisson, c'est pour se donner bonne conscience, quoi. j'ai pas l'impression qu'on puisse interagir avec la statue, y'a pas le symbole, ouais non y'a pas le symbole. Lui on peut lui montrer un truc, faut juste trouver le bon objet à lui montrer. Est-ce que c'était parce que j'avais pas le bon angle? Et il me fait des trucs en bois, ça me paraissait pas mal de lui proposer de faire un tampon quoi. Là aussi on peut lui donner quelque chose, mais j'imagine qu'on va pas lui filer pas ça. Ça me paraît pas hyper pertinent. Et la forge on peut pas... Ah la forge on peut peut-être interagir. Les artisans Yukol doivent produire ces statues. Ah non, c'est les statuettes qui sont derrière ça. Ouais la forge c'est pareil, c'est juste une cinématique. Là on peut rien faire, là ils sont tous coincés. Ok. Ça va passer. J'ai peut-être raté un truc dans la yourte hein. Et après ouais j'aurais pu balancer hein, vous m'avez bien regardé etc au policier, mais maintenant qu'on a parlé laissé passer j'ai plus d'autres dialogues avec lui. Bon, ce que je peux essayer de faire, c'est aller remettre l'éponge avec de l'encre dans la machine. Alors, faut contourner les gens qui, voilà, qui changent d'avis comme de chemise, n'est-ce pas ? La clinique. Eh non, c'est la clinique. J'espère que Kirk tient bon là-haut. Dommage de pas pouvoir passer les ciné quand on se plante.
Alors, on a dit, hop, on prend l'éponge. Et on la met là. Voilà. Donc déjà, il manque le tampon. On a l'éponge. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? Les bougies. Impossible. Bah ouais, non, voilà. Sûrement pas. Essayons autre chose. Alors déjà, est-ce que ça me propose de remettre... Oui, je peux remettre ça, du coup. Ok. Une forme est incrustée dans le cuir. Question, c'est est-ce que avec genre du papier, je pourrais peut-être la frotter ? Essayons autre chose. Est-ce que je peux mettre le laisser passer là ? Mais ouais, voilà, sans tampon. On s'entend que ça sert à rien. Non, si je peux l'enlever, ce truc de cuir, il y a sûrement moyen d'en faire quelque chose. Mais quoi ? L'éponge direct sur le cuir et on pourrait se passer du tampon ? Est-ce que je peux la reprendre ? Non, je peux pas la reprendre. Donc non, ça devait probablement être ça, il fallait la mettre là. Je peux pas... Ouais non, voilà. Quand on active l'inventaire, il n'y a que les endroits où on peut interagir qui restent en surbrillance. Donc c'est pas ça... Est-ce que maintenant que j'ai vu le bon tampon, si je retourne voir là... Des tampons, mais aucun avec la bonne forme, évidemment. Sinon on trouve une pomme de terre et puis on le bidouille le tampon, hein. S'il y a que ça... Rien d'utile ici. Sinon peut-être que si j'arrive à trouver la fameuse boîte... Parce qu'il disait que c'était une boîte pour tamponner, c'était pas dans la... Dans le truc des garnes, alors peut-être que si je trouve la boîte, je pourrais en extraire le tampon. Où est-ce qu'elle pourrait être cette boîte? Elle était sur la route alors... Ah peut-être Zikino. Je vais juste vérifier que j'ai pas raté un chemin. Mais ouais, peut-être le U-Call primeur, il aura ce qu'il faut. Avec un tubercule quelconque. Ça. Je sais pas si on pouvait interagir avec lui. On pourrait aussi redemander à lui pour voir, mais non, faut juste lui parler. Je pense que Yukol sont tous voleurs. On peut juste lui parler, on peut pas interagir. Quand vous serez à Valsambor. Passez donc à ma taverne, c'est la meilleure cuisine de la ville. Bonjour, ma petite dame. On peut pas ressortir, visiblement. Ok, j'ai dû rater un truc. On se calme. J'ai dû rater un truc, mais quoi donc ? Quelle étrange sculpture. On dirait une sorte de pieuvre de calamar. On a le cœur, on a un petit couteau. Si on avait une patate, on pourrait peut-être sculpter avec notre couteau. On a des bougies, mais du coup on sait que ça ne nous servira pas vu qu'on a de l'encre.
Des bougies Yukol faites à partir de cire artisanale. Ou alors, est-ce qu'on peut réouvrir l'inventaire quand on est là? Non, hein, on peut pas combiner des objets, a priori. Alors, je l'ai pas observé, ça. Faut peut-être que je l'observe pour que ça me dise « Ah, peut-être qu'on pourrait faire un truc comme un ça. » Un sceau s'est incrusté dans le cuir. On dirait celui de Valsambor. Ah oui, ça ressemble à... Un sceau s'est incrusté dans le cuir. Au poulpe, on dirait celui de Valsambor. Ouais, je me pensais que ce serait ça pour tamponner, mais... Ça a pas l'air évident, parce que vu que je peux pas... Là, je peux pas faire réapparaître l'inventaire pour faire interagir d'autres trucs. Et ce qui me paraissait le plus évident à la base, c'était le forgeron pour le tampon ou faire un truc, mais je peux pas interagir avec sa forge, c'est juste une cinématique. Y a pas le petit symbole pour interagir. C'est juste une ciné et je peux juste lui parler. Catastrophe évitée de peu avec eau des autruches. Merci, Miss Catwalk. Je peux interagir avec lui et avec la... La chamane. Mais là, même après avoir examiné le truc, il réagit pas. Et la chamane non plus. Une peau, sans doute pour confectionner des vêtements. Miss Catwalker fait un grand voyage avec Yukol. Qu'est-ce qui nous a échappé? À part les mecs racistes et les flics. Cette yourte est accessible. Là c'est pareil, je peux pas interagir sur la yourte, toi non ça disparaît. Lui je peux interagir mais bon à part lui filer une bougie à bouffer je vois pas trop. Ah là on est bien coincé, il y a une grande zone avec plein d'étapes pour l'énigme et je trouve pas ce qui me manque. Alors, il y a un truc qu'on peut faire. Déjà, c'est montrer les autruches à Chobiti. Cute. T'as vu, elles ont des yourtes sur le dos. Quelle tenue excentrique vous avez là, jeune fille. Elles ne nous apprennent rien de nouveau. Eux non plus, je crois que je leur avais parlé. Autorité est devenue hostile. Oui, voilà, rien de nouveau. Est-ce que je peux interagir avec ça, genre... Non. Je peux pas regarder s'il y a quelque chose qui ressemble. Ah, je suis sûr que je suis pas loin, il y a une connerie qui doit me bloquer. Est-ce que je peux aller par là? Non, je peux pas aller par là. On se calme doucement. Lui, y a rien, et sur ses étals non plus, y a rien. Ça, c'est la sculpture. Si je regarde vers le haut, parce que c'est vrai que je regarde pas souvent en haut, mais non. Ah, j'ai cliqué loin.
Là, on est d'accord qu'on peut pas interagir non plus. Quand j'ouvre l'inventaire, ça disparaît. Ah, je peux me déplacer avec les touches, tiens. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus précis qu'avec le clic. Bon, si, ça se fait. Ça se fait, ça se fait. C'est sûrement plus pratique pour passer les portes, ouais, c'est ça. Réussir à cliquer au bon endroit dans le mur, c'est pas toujours évident. Du coup, est-ce que je peux courir genre en faisant shift? Ah ouais! Trop classe! La modernité! 2017, les gens! Une guérite. Sans doute celle des employés municipaux. Alors, maintenant que j'ai trouvé le tampon et tout, rien de nouveau, hein. Si je lui montre les bougies. Si j'ai besoin d'allumer un cierge, je vous appellerai. Ah, ils ont prévu des dialogues. Excellent. Donnez ça aux nomades. Peut-être qu'ils en tireront un bon prix. Non, je suis pas sûr que c'était juste ça qu'il fallait faire pour débloquer le truc, mais... Si je monte le couteau. Rangez ça immédiatement, sinon je vous mets une amende pour menace avec une arme sur personne ayant autorité. Ouais. Se laisser passer est vraiment nécessaire? Indispensable. Alors n'insistez pas. Circulez. Bon alors maintenant que il nous a donné l'autorisation de donner ça aux nomades, est-ce que ce serait juste aussi simple que ça pour débloquer le truc? Quand même. J'ai des doutes. Wow, ouais. Alors le problème de du clavier du coup c'est changement de vue, c'est un peu chaud. Ouais, d'accord, faut pas que je fasse un pour utiliser, ouais non, ce serait con. Ah! Client touriste aimait bien Yukol avant. Quand Yukol passait trop longtemps à Varsambor. On va aller voir la seule autre personne avec qui on peut interagir, mais. Je pense pas que ça ait débloqué grand chose non plus. Eh bien, je suis coincé là. Ah, il y a un truc là. Je t'ai vu, il y avait un truc. Je... Je... Ouais, on peut peut-être essayer... Ah, il est réapparu. C'est peut-être un bug. On peut essayer de se remettre en mode voyage, éventuellement. Il y a un truc là. Ouais, ok, on a le rappel d'objectif qui est activé. Donc là, on a bien haut qui fonctionne, ça nous aide. Salut Sir Madness, bienvenue sur le live. Comment ça va? Circuler. Alors est-ce que du coup on aurait éventuellement un icône d'interaction là, si on lui parle? Client touriste aimait bien Yukol avant. Quand Yukol pas resté trop longtemps à Varsambor. Bon, c'est pas magique non plus le mode quoi, c'est un petit coup de main, mais... Ça du coup je me demande si c'est pas genre un petit bug... genre c'est ce point là qui se déplace ou... Sinistre. Après si c'est bloqué parce qu'il faut qu'on regarde les trucs à rêve et que... Et qu'on peut pas, ce serait quand même ballot.
Miss Catwalker faire grand voyage avec Yukol. Bah non, même quand je clique dessus et qu'elle y va, elle se plante dans le mur, donc bon, ça va être un artefact à la con. On peut peut-être aller voir si jamais le... Oula. Si le mode voyage nous débloque un truc sur le la machine. Il y a zéro problème pour rentrer dans leur guérite tranquillou bilou quoi. Ouais, ça m'ouvre l'inventaire en mode il y a quelque chose à faire, mais rien à faire. C'est pas magique quoi. C'est pas magique non plus. Et quand c'est baissé... Ouais, voilà, ça te dit hey, tu peux utiliser un objet là. Sûrement pas. Mais bon. Et la pièce de la tamponneuse elle vient de là en fait. Je l'ai enlevé parce que comme il y avait le symbole dessus, je me disais que peut-être j'allais pouvoir demander à un Yukol de graver ce qu'il faut. Mais pour l'instant, je l'ai pas trouvé. Comment faire ? Des tampons, mais aucun avec la bonne forme, évidemment. Parce que notre pièce de la tamponneuse, quand on l'observe, on voit que là, il y a le tampon. À force, un seau s'est incrusté dans le cuir. On dirait celui de Valsambor. Du coup, le plus logique semblait être d'aller voir les artisans et de leur dire, bah voilà, fabrique-moi un tampon avec ce truc-là, quoi. Mais, ça marche pas. Ah, ils ont le courant. Trop classe. Bah j'aimerais bien Zikino, mais alors maintenant qu'on est en mode voyage, on va regarder, mais j'ai pas trouvé de moyen d'interagir en fait. Des bougies Yukol faites à partir de cire artisanale. De combiner des objets entre eux. Tu vois là, je peux pas ouvrir l'inventaire, ça marche pas. Je peux juste fermer. Pareil avec le couteau, j'imagine. Non, je peux rien ouvrir. Donc je peux pas combiner les objets, sauf si je trouve un endroit particulier où en poser un, puis interagir avec un autre par-dessus, quoi. Comme quand on a posé la pièce de tamponneuse, et après j'ai pu poser le laisser-passer dessus. C'est quoi ça? Demi-tour. Ouais, c'est tous les coups, c'est la cinématique qu'on voyait à travers la carriole. Je peux vérifier, mais... Là. Ouais, c'est la cinématique qu'on voit à travers la carriole. Okay. Rien de nouveau. Et il n'y a pas la boîte où il y aurait eu le tampon dedans. Hein. On est d'accord. Parce que là, la machine, elle a pas l'air particulièrement cassée, quoi. Il n'y avait plus d'encre, mais bon, on est loin d'eux, les autorités l'ont détruit, quoi. Ça, c'est le calmar. Là, c'est de la caillasse. Ça c'est un caillou. Moué.
ça on peut pas interagir, il est devant le mec de toute façon. Je pense qu'on doit pas être loin de la bonne idée, mais il nous manque un truc. Un truc qui m'échappe complètement. On va retourner dans les différents endroits. L'objet qui est là, c'est juste un petit truc comme ça. Je vérifie, on peut pas interagir avec. Là-haut, j'avais trouvé les bougies. Quel beau motif. Quel beau motif. Si seulement j'avais le temps de piquer. Pour faire la sieste. Mais si j'ouvre l'inventaire. Voilà, tout disparaît, donc il n'y a rien pour interagir avec. Là, on avait trouvé la bougie dans la. Dans la caisse. Oh, il n'y a rien. Non, là, visiblement, il n'y a rien d'autre. Il y a un feu et un four, ouais, mais je peux pas interagir avec. Alors, je vais essayer de voir si je peux pas ressortir. Ça se trouve, je peux peut-être ressortir dehors. De l'autre côté. Et trouver des trucs intéressants. Oula. Tu bugs un peu, ma chère. La porte est là, ouais, non. Là, ça saute dès que... Alors on est arrivé par ici, par là. Ah, peut-être qu'on peut ressortir. Non. J'imagine que si c'est bloqué, c'est qu'il n'y a rien d'intéressant pour nous par là. Et là, si on passe par là, on voit rien d'autre de très très probant. Un joyeux Capharnaüm. C'est le Capharnaüm. Rien à voir avec les marchés de New York. Ça te fait bizarre encore cette icône VIP? Bah écoute, c'est mérité pourtant. Hop là. Ça bouchonne un peu là. C'est que des dialogues, c'est pour le caresser. Là y'a rien d'autre. Par ici, on est d'accord. Ah là là! Le drame! Le drame, le drame! Après, on n'a jamais dit qu'on n'allait pas utiliser de Solus, hein, mais. J'ai l'impression d'être à deux doigts du bon truc. C'est frustrant. C'est frustrant, c'est frustrant. Alors que vous n'avez pas trop d'idées non plus, malheureusement. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. C'est comme dit Chobiti, si on est bloqué, c'est qu'il y a probablement besoin d'une pause. Non, j'ai vérifié, je peux pas interagir avec les sculptures. Malheureusement. Sir Madness, on cherche un moyen de faire tamponner un laissez-passer... Enfin, de bidonner un laissez-passer. Et pour ça, il faut qu'on fabrique un tampon, probablement, ou qu'on le récupère quelque part. Mais on n'a pas trouvé. Voilà, si j'ouvre l'inventaire, ça disparaît, donc on peut pas interagir avec avec les figurines. Je me disais, peut-être en trouver une qui ressemble, et puis où on pourrait dire « Oh là là, mais dis donc, qu'est-ce qu'ils sont ingénieux, peut-être qu'ils pourraient faire un tampon !» Mais non, ça fait rien. Les artisans Yukol doivent produire ces statuettes en masse. Malheureusement, ça fait rien. Ils sont toujours en train de complètement coincés. Donc ouais, je pense qu'on va, on va arrêter la VOD là. Probablement le live dans la foulée. Ah si, quoi ah si? Non, non, t'as rien vu Zikino, y'avait rien. Alors personne signe les papiers justement. Le papier puis le cuir. Ah, sur la tamponneuse, j'ai essayé de mettre le papier, il m'a dit que ça marchait pas tout à l'heure, à la place du cuir. On peut retourner vérifier si tu veux, mais j'ai essayé vite fait... Vite fait, non. J'ai essayé de mettre le papier d'abord et il me disait non, tu peux rien faire avec le papier. C'est impossible. On va essayer.
des fois que j'ai genre pas relevé les petits supports ou un truc du style. Mais de toute façon, il nous faut quelque chose à mettre dans la tamponneuse parce que même quand on... J'avais pensé à mettre le papier à l'envers, un truc du style, mais le problème c'est que là, quand on descend, de toute façon, s'il n'y a pas de tampon, ça appuie pas assez. Donc c'est pas possible. Je vais essayer, hop, on ouvre l'inventaire. Si j'essaye de mettre juste le laisser passer, tu vois, ça marche pas. Rien à faire. Sûrement pas. Malheureusement, ça marche pas. Et les bougies, je peux pas les mettre non plus dans la tamponneuse. Autre chose. Non, là c'est le coincé. C'est le coincé. Je vais y réfléchir, je vais voir si éventuellement je charge une petite ciné ou un truc, une petite soluce ou un truc du genre. Là, il y a juste Vu les conditions de vie ici. Je comprends mieux la manière dont elle compatit avec le policier, mais je pense que si j'ouvre l'inventaire, ouais, ça disparaît. On peut rien faire par là. Voilà non plus. Allez. Salut John Peace, désolé du coup tu tombes mal, enfin je sais pas si t'étais là depuis longtemps, mais je vais m'arrêter là, je vais aller manger un morceau, voir si ça va mieux après. On va dire au revoir à la VOD, puis après je vais regarder s'il y a un petit raid éventuellement à faire. Merci à tous d'avoir suivi, et on va se retrouver très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.